foule. Yo, j'adore les cris des petits mobs quand ils tombent, c'est trop fort. Ah, c'est gentil. C'est vrai, ça détend avant d'aller dodo. C'est comme quand ta maman, elle te raconte une histoire, c'est ça. Donc là, il a l'air pas mal, mon personnage. On va le laisser comme ça, avec des petites couleurs bleues et grises. Ça a l'air d'être assez cool, hein. On va sauver. Ting, 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 ouais. Super. Ah, victoire. Et ben voilà! Et ben voilà qui est bien joué. Seulement, bon, j'ai dû faire un score de merde. Je constate mon inventaire. Je vais pas passer 3 heures dedans, je vous rassure. 42, ouais, youpi! Avec un zombie survival. Ok. On va se faire un zombie survival. On va prendre le shotgun, bien sûr. Ah, la fameuse masse rituelle. Avec le super gun qui est juste en face de... Juste sur le pentagramme. C'est tellement original. Casser toute ma maison comme un gros boulet. Bah ouais, pas bien. Bah oui, ça casse sa maison. Bah ouais, j'ai pas fait exprès, hein. You only live one. Tu n'as qu'une seule vie. C'est le mode. Bah je m'en bats un peu les steaks, quoi. J'ai qu'une seule vie. YOLO. You only life one. Ah putain, la rune des monts. Pipite. Non, c'est moi. Non. Ah, il est arrivé trop tard. Il m'a pris ma rune des monts. Ah, salaud. Oh, il est encore en train de m'embêter celui-là. Là. Ici, là. Ah, je vais pouvoir ouvrir. Cool. Taille de la tour de l'ombre, appuie sur E pour entrer dans la tour de l'ombre. Ah, enfin! Ça fait un moment. Aujourd'hui, on reste poli. Et on va se démarrer une petite partie. J'ai super gueule! Putain, j'en ai eu au moins un. Yes. Victoire convaincante. Victoire convaincante. Ah, putain. Plus que une élimination. Limite de score atteinte. Putain, c'était poche. C'était de justesse, hein, vraiment. Là, je suis dans la peau d'un zombie, il faut que j'aille zombie level 2. Je suis un zombie level 2. Et donc il faut que j'aille. Ok. Sympa comme mode. Pour les deux autres niveaux, il te faut 552 points de rang, d'accord. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Ok. Bah écoute, bah merci, hein. Beta, vous pourrez explorer les régions du corps. Bon, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine de débourser 50 boules pour ce jeu? Je vous le demande. Ok, donc je débute et je suis mort comme d'habitude. Comment? Tu me diras.
en business class de Manaus. Hey, je suis là, c'est tout ce qui compte, non? C'est du stop depuis Barranco au Pérou. Tu dois monter dans un bus à Jujuy, en Argentine. J'ai picolé tout le long jusqu'à Villazón. Personne veut s'approcher d'un poivreau dans un bus. Ça explique pourquoi tu pues la gueule. Forcément, les mecs qui sont à l'armée, c'est l'ancien alcoolique, hein. Ok, donc je débute et je suis mort comme d'habitude. Qui sait que je sais pas si c'est une très bonne idée de profiter de cette construction. Quoique là, il y a déjà de la pierre, il y a déjà pas mal de trucs. Je pourrais me faire ma petite construction ici, là. Donc là je suis dans une session créer sa propre map. Donc que je comprenne bien, alors là c'est le laser. Je peux faire, là c'est pour naviguer sur en bas, donc strip monument blaster. Ça sert à quoi ça? Ça sert à quoi ce truc? Ah ouais, quand même. C'est parti. Et on va continuer le farm, le leveling. Je sais ce qu'il me reste à faire, l'IRAM, hein, farm, leveling, tout ça. Ce que vous avez vécu, ce qui vous a endurci, rien ne peut vous préparer à El Fueno. El Fueno. El Fueno. Ah, El Fueno. C'est parti pour El Fueno, la région la plus chaude. Sa maison, bien sûr, on va farm un petit peu comme d'habitude, hein. De toute façon dans le jeu on fait que ça, du farm et du leveling, hein. Ça c'est le passage obligé, ça. Parti en couille, je passais une bonne soirée en tout cas, et bah, je vous dis à demain soir, pareil, hein. Je serai peut-être même là avant 23h, enfin, ça dépend.